Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Makito, on se retrouve pour un nouvel épisode sur White Earth. On va continuer notre progression. Alors, on s'était arrêté parce qu'on avait une mission. On devait suivre le monsieur. On devait revenir. Hop, je vous montre la carte. Ici, pas du tout. Ici, sur cette île. J'ai clean tout ça. En vrai, la rigolade. Même si on avait un petit peu galéré. J'ai monté toutes mes armes à fond, j'ai toutes les armures. Donc, on est pareil. J'ai craft ceci, c'est dommage je peux pas vous le montrer, mais c'est ultra stylé ça. Ça vous permet d'avoir 40 en construction, vous savez. Donc plutôt pas mal. J'ai remarqué un truc, c'est que j'ai des points d'interrogation qui sont revenus alors que j'ai déjà tout loot. Peut-être qu'on ira voir après. J'aimerais avancer dans l'histoire en fait. Oh mais ça c'est nouveau ça. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais l'attraper en fait, mais tant pis. Il y en a un autre? Il y a de la glace ici aussi. Idéal pour rafraîchir mon saké, mais ça refroidit un peu trop l'ambiance. Mais j'avoue, c'est de la neige. Je pense pas que boire un coup la fera disparaître. Continuons. J'avais pas fait gaffe, on était passé en mode de neige là. Ah, c'est pour ça que je peux capturer des grues et tout là. Oh, regardez le petit lapinou. Oh, le petit lapinou. On a toujours les mêmes. Quelque chose tombe par rond. Il y a de la glace partout. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est un kimono qui a fait ça. Alors, j'espère que c'est à nouveau. C'est fou. On dirait qu'on est au sommet d'une montagne. Oh. C'est pas... Non. Impossible. Si, si, c'est lui. La revanche. On va pas faire l'idiot. Rangement d'armes. Anti-venin, on s'en fiche un petit peu. Échappatoire, c'est pas mal. C'était quoi ça? Bah, c'est tu lui le veux. Qui aurait causé tout ça. What? Ah, mais il se barre direct. Oubliez les matériaux. On doit en savoir plus sur cette chose. Waouh! Alors, attendez, juste une petite seconde. Un message d'alerte sur mon. C'est stylé, les vagues gelées. Sur mon ordi. Heureusement que j'ai installé des trucs pour voyager plus vite. En vrai, ultra stylé. Ah! Je me disais pourquoi je peux plus avancer. Alors, par contre, je pense pas avoir la bonne armure. Clairement, ni l'arme. Non, il a un œil différent. Oh, c'est pas possible. Oh non! Attention! Les histoires que cut. Oh, comment il le défonce? What? Ah, il est trop beau celui-là. Ah, oh, ça l'a fait fuir. Moi je voulais le combattre. Hey, attends. Oh non, ah, bah, pas de contre-cocotte, vous êtes pas sérieux. Impossible. Je ne m'arrêterai pas tant que j'aurai pas vu ce kimono de mes propres yeux. Bon, laisse-moi réagir. Je vais traquer l'autre. Je
J'ai pas ce qu'il faut en plus pour lui en fait. Ah mince, je croyais qu'il allait pas passer. Je m'en doutais qu'il allait faire ça. Mais... Ah, il y a un truc que je voulais vous montrer. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. En fait, il me laisse pas réagir. Ah ouais, non mais c'est trop là. En fait, le problème, c'est que j'ai pu... Ouf. Il m'a fait une reprise de volée. Je vais pouvoir lui grimper dessus maintenant. Je vais pouvoir vous montrer ce que je veux faire. Faut que je chope le bon côté. Hop, j'ai réussi. Et regardez, hop, je lui tire le truc. Et hop, ça m'augmente mes trucs. Je me suis gouré dans mes... Oh, c'est trop con. Ouais, mais si j'arrive pas à construire... En fait, je peux enchaîner les constructions, du coup. Il comprend rien, cocotte. En fait, il me faut un truc, mais que je sais pas. J'ai plus la lanterne, donc je peux pas lui faire du flashbang. Ce qu'on pourrait faire, c'est hop. Ah bah non, bah t'as pu t'agripper. Je crois qu'il t'a grippé. Ah, impossible à s'agripper en fait. Ah, pas cool. Alors, de toute façon, ça se voit que j'ai pas la bonne armure. Hein. C'est là que je me dis, heureusement que j'ai amélioré Bobby. Tu veux pas reprendre l'agro, Bob ? Je suis accroché. Vas-y Bob, je le tiens. Je me suis pas accroché au bon endroit, c'est dommage. Ah, c'est trop court. C'est une dinguerie. Je suis trop court à chaque fois. Je suis censé l'éclater quand même. Hein. Ah, en fait, vu que j'ai pas... J'attends qu'ils me donnent un truc, mais ils vont pas me le donner. C'est pour ça que j'ai mis l'éventail, en fait, mais... J'aurais pas dû le mettre. Parce qu'au final, ils m'ont pas donné. Normalement, je suis censé l'éclater. Hein. Et là...
l'impression qu'il a pas envie de l'éclater. Surtout qu'il s'est fait déjà défoncer par par le loup. Oh mince. J'avais oublié qu'il faisait cette attaque. Lui. On a toujours le même problème de temps de réaction des persos. Hein. Je trouve qu'il est vachement long et... Oh, bien joué. Bon, ça te touche pas. C'est dinguerie. Mais moi, c'est pas lui que je voulais marave en fait. Et qu'est-ce qui m'énerve à faire ça? Ah ouais, non, mais là, c'est trop. Bob, il lui fait du crit, quand même. Hein. Il lui a coupé la queue, carrément. Marc, j'ai des... Ah non, je crois que j'ai terminé. Oh mais il meurt pas. Je suis désolé, la caméra qui tourne dans tous les sens. C'est parce que je suis lock, bah oui, je suis trouvé. Ah, je suis trop court. Mais c'est ouf. Descends de là, cocotte. Non mais ça, c'est ce que tu passes quand t'es sur lui. Ça aurait pu être plus rapide hein, si j'avais la flash. Mais en fait, bah,
Le petit éventail que je viens de poser là, c'est ce que j'ai mis parce que j'aimerais bien débloquer les nouveaux trucs en fait. Et il fallait faire un choix, donc j'ai choisi d'enlever la torche. Du coup, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Je l'ai perdu. Comment ça, tu l'as perdu? Tu te fous de moi là? Tu l'as abattu, c'est ça? Impressionnant, comme toujours. Retournons en ville. Je dois te parler de quelque chose. Mais au moins, ça m'a permis de vous montrer ce que je voulais vous montrer d'ailleurs. Que je peux grimper dessus en fait, et ça nous donne masse de trucs pour craft. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, avant de retourner en ville. Ouais, le mieux c'est que je retourne là. On va aller vite fait voir c'est quoi les... Ça doit être des manuscrits tout pourris, j'imagine. Je vais pouvoir vous montrer ça. Hop, je suis passé à 48. Ce n'est pas dégueu. Je trouve ça cool que le biome là du coup il est changé. Au final, il n'y a que les petites créatures là qui ont changé, j'ai l'impression. J'ai pas vu de nouvelles ressources. Alors peut-être des plantes, j'ai pas fait gaffe, mais... En tout cas, le décor est stylé. Du bois ancien, ça c'est pareil. Le petit lapinou. Quoi, je vais peut-être récupérer mon poisson. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement il y en a un par là. Il serait ici. Attendez, bah y en a un au bout là. Oula, il y a les mailles. Attention. Ça va être au-dessus. Oh, j'ai oublié. Déjà, il y a un rocher en moins ici, là. C'était assez chiant, d'ailleurs. Ça va être au-dessus où? J'irai chercher les autres tout seul, hein, bien entendu. Ouais, on voit rien dans ces fougères. Hein. Ouf, je me suis fait une petite frayeur. Ah, c'est là. Ouais, donc c'est bien des talismans et autres à aller chercher. Donc, plutôt cool. Ça doit être des talismans contre le froid, à mon avis. Hein. Peut-être important à aller chercher, d'ailleurs. Je vais peut-être même aller vous les chercher tout de suite. Il y a combien? 1, 2, 3... C'est tout? Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vais vous faire une ellipse, de toute façon on doit aller en ville. On se retrouve directement en ville. Allez, à tout de suite. Bien. Ah, t'es de retour. T'as un moment pour discuter? Ouais, on va discuter. D'abord, je vais juste vous montrer ce que j'ai pu croiser. Si l'image charge. Non. C'était un lézard de givre, en fait. Pourquoi on les voit pas? Oh, le jeu, mais... Il a tellement besoin d'être opti. Et je sais pas si vous vous rappelez, les molosses, les chiens de neige, ils y sont aussi.
Du coup, en fait, ça a changé ça. Et j'ai gagné 3 talismans. Voilà, en gros, ce que j'ai eu. Je te dois des excuses pour avoir agi seul tout à l'heure. Je supportais pas l'idée de laisser le Rasetsu s'en sortir. Ce loup de givre et moi, on se connaît bien. Je veux savoir pourquoi il est sur cette île. Son territoire devrait se trouver beaucoup plus au nord-ouest, dans la région du château d'Otsuki, l'ancien bastion du gouverneur Ishido. Mais plus personne ne l'appelle par son nom. Il est entouré par la neige maintenant. On l'appelle la forteresse de Fuyufusagi. Ah, tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Allons rendre visite à la sensei. Que vous arrive-t-il donc? Vous avez l'air bien grave, vous deux. Eh bien, ça serait long à expliquer, mais... Quelle histoire incroyable! Un Rasetsu a recouvert de neige l'île des esprits alors qu'il est censé y faire chaud! En effet, cela justifie une enquête approfondie! C'est une situation très inhabituelle. D'ordinaire, on ne voit pas les kimonos de glace dans des zones où le climat diffère autant de leur milieu naturel. Peut-être, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. C'est un véritable enfer de glace là-bas. Littéralement. Les kimonos sont comme les êtres humains. Ils évitent les régions inhospitalières. Ils se concentrent naturellement dans des zones favorables à leur existence. Représentez-vous le climat dominant sur l'île des esprits. S'attendrait-on à trouver un kimono de glace dans un climat si chaud et humide? Ne serait-il pas plutôt attiré par les températures plus clémentes le long de la voie d'Arugasumi? Ce lot de givre est si puissant qu'il s'en fiche. Tu te souviens du château d'Otsuki? Le siège du gouverneur Ishido, sensei? C'était magnifique. Des fleurs partout, grouillant de vie. Maintenant, on l'appelle le fort gelé. C'est vrai. Il n'est que l'ombre de ce qu'il était autrefois. Le kimono a transformé cette région en une terre gelée, balayée par le blizzard. Il existe peut-être un lien entre la chute du Karakuri de Minato à l'époque et la puissance grandissante des kimonos dans la région d'Azuma. Le destin de l'ours géant pourrait être lié également. Il paraît que la région où il dormait paisiblement n'est plus qu'une terre de désolation. Le milieu naturel dans ces contrées semble subir une sorte de transformation rapide. Ça paraît sensé. Ou non. Je suis pas scientifique. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, sensei? Il est hors de question d'observer le comportement de ce kimono sur le long terme. Nous devons nous concentrer sur ce loup. Si je dis vrai, nous devrions trouver un changement physiologique dans ses entrailles ou dans n'importe quelle partie qui absorbe le fil céleste. Je vois. On en revient encore à toi. On dirait bien. Je sais pas si on va apprendre grand-chose, mais on peut pas se permettre d'ignorer la menace qu'il fait peser sur Minato. Alors, tu la bats, et la sensei s'en occupera après. C'est ça, le plan. Ça me va. Il y a un autre problème auquel il faut s'atteler en priorité. Quoi encore? Le kimono vit près de la forteresse de Fuyufusagi, mais on raconte que la grotte qui y mène s'est effondrée lors de l'avancée du Brister. Il faudra donc dégager la voie avant de commencer. Voyons si Ren et son équipe peuvent nous aider. Tu devrais le lui demander. Elle te doit une faveur ou deux, non? Bah, 5. Vous ne vous en tirez pas sans donner un coup de main, Ujishige. Vous connaissez le vieux château mieux que personne. Vous pourriez être le guide. Bah, c'est un frousseur. Il va plus me ralentir qu'autre chose. Il faudra se débrouiller sans moi. J'ai besoin de temps pour moi. Il sert à rien, lui. Le clan Tsuruhashi a bonne réputation. Ils respectent leurs paroles. J'ai pas encore été présenté, par contre. Mieux vaut que tu demandes, toi. Alors, avant de continuer... Ah bah, de toute façon, il fallait qu'on aille la voir. Comme ça, c'est réglé. J'ai continué à construire. Mais ça demande de plus en plus d'or. La voie dans la grotte. Bien sûr, on peut s'en occuper. Mais
On va avoir besoin de votre aide. Écoutez-moi au moins avant d'accepter. En fait, j'ai reçu une demande identique de la princesse Toga. Elle a dit que c'était pas urgent, mais a demandé qu'on s'en occupe si on avait le temps. Nous avons déjà bien avancé, mais à la tombée de la nuit, nous avons subi une attaque de bec de poison. Oh. Certaines personnes de mon équipe ont été blessées. J'allais justement prévenir qu'on pouvait pas continuer quand vous êtes arrivés. Donc si vous pouvez nous débarrasser du grand corbeau, nous pourrons dégager la grotte. On est d'accord ? D'accord. Vous savez quoi, on va aller en multi. Nous n'en serions pas là sans vous. J'aimerais vous rendre l'appareil. À plus tard. Ah ouais, d'accord. Je peux pas construire parce qu'ils ont une requête pour moi. C'est trop. Il y a ceci aussi que je vous ai pas montré, les bains. Je vous le montrerai plus tard. Je vais peut-être pas pouvoir en fait. Il va peut-être bien falloir que je le tape tout seul. Bon, en vrai, c'est pas gênant. Faut juste que je change de tenue par contre. Mais j'aurais préféré me taper avec le loup. Moi, je veux du nouveau à chaque fois en fait. Je trouve qu'ils ont. Ouais, je sais pas. Allez où mon équipe travaille. C'est là que le kémono se montrera. Celui-là est féroce. Préparez-vous bien. Je crois que c'est mon meilleur camp celui-là. J'ai tout. J'ai de tout. Est-ce que j'y vais avec ça? En vrai, c'est ma meilleure arme. Je peux pas collecter les ingrédients parce qu'ils sont bons. Alors, par contre, il y a un truc que je voulais vous montrer. Hop, hop, hop. Ça, c'est ça que je voudrais libérer en fait. Mais du coup, c'est contre lui. Et vous voyez que il faut le petit ventilo là. Le... Et donc, on va peut-être bien le débloquer maintenant. L'arbalète à répétition. Ah, il y en a d'autres, hein. Que je dise pas de bêtises. Genre ça, le grappin. Enfin, le piège à chaîne. Ça, j'imagine que ça sera contre le loup. Hein. Vous avez vu que c'est une caisse et c'est pareil, c'est encore le truc. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, vous savez quoi, on va le débloquer ça, comme ça, si jamais on le débloque vraiment. Le pieu, apparemment, transperceur, c'est juste un truc. La baignoire. J'essaie de vous montrer tout. Hein. Et ça, après, c'est autre chose, d'accord. Ok. Bah au moins ça peut nous débloquer l'arbalète et l'autre truc. Bon attendez, on peut se TP maintenant. Parce que j'ai vraiment débloqué tout ici. Alors je suis à 48 sur 50. A mon avis, il va falloir attendre, comme là, le chapitre 3. Alors j'imagine qu'il faut qu'on mange. Parce qu'ils sont toujours plus compliqués dans l'histoire que... Alors, il y a un autre moyen de passer. J'espère qu'il y est toujours. Il a l'air d'être plusieurs là-bas. Déjà, je suis à 43, là, en construction. J'aime bien cette tenue, elle est trop stylée. On va tomber pile poil sur lui. Quoi qui est à côté? Ah mais c'est le rat. Il a défoncé le rat, non? Faites attention, ces toxines vont vous entamer la peau.
Il a disparu le rat. Je l'ai pas vu. Alors relève-toi, Bobby. Vous voyez que déjà il est beaucoup plus énervé. C'est assez chiant ce pic là. Il est énervé mais je défonce assez vite. Pas du tout ce que je t'ai demandé. Ouais. En plus, il y a eu le temps de réaction de cette attaque. Pourquoi il veut pas. Il veut pas faire ce que je lui demande. C'est parce que j'ai plus de stab en fait. D'accord. Je vais finir par crever. Hein. En fait, j'aimerais bien qu'il me donne. C'était quoi? C'était ça et ça? C'est pareil, c'est un délire leur système de. Ah bah voilà! Oh, mais c'est trop stylé! Je kiffe! C'est tout? Ah non, ça continue à tirer ou pas? Ah oui, ça continue en plus. C'est tac, tac, tac. C'est compliqué par contre à caler, mais. J'ai passé. J'ai... Avec le le bonus là, vous savez, je pense qu'il y a moyen de bien le défoncer, en mettre plein. En fait, il faudrait que j'arrive à grimper sur lui. Ah, je suis à fond. Oh, quel boulet. Si j'arrive à grimper sur son dos, je peux choper le truc. C'est un coup à mourir, hein, en vrai. Il dure vachement longtemps, son truc. Allez! Ah non, t'es pas sérieux. Normalement, Bob attire son attention, mais. Quoi que les chiens m'emmerdent. Nickel! Il est vraiment enragé là. Attention, on sait pas ce qu'il peut faire. Je sais pas, mais avec tout ce que j'ai mis, on va le défoncer. Ah.
Au secours! Alors, faudrait que les putains de chiens ils arrêtent de m'emmerder. Pff, ça va être en train de me déboîte. Ah, oh, il a tout cassé! Stylé, hein. C'est eux qui essayent de me paralyser là? On va avoir une petite discussion, vous et moi. Il retourne dans la grotte ou... D'ailleurs, je savais pas qu'ils étaient électriques, eux. Moi la paix. C'est où qui est parti hein? Ah mais il est pas encore parti. C'est ça le truc en fait. Je suis où? Ils sont chiants à nous faire spawn à l'intérieur en fait. Je trouve pas ça agréable. Bah ouais, vous avez vu tout ce que j'ai pu poser en tourelle. On fait ça à deux, rien qu'à deux. Hein. Chacun de notre côté, on a refait. On le déboîte en deux-deux. Alors en fait, j'aimerais bien que Bob prenne le... prenne l'agro direct. Ah, il m'a touché quand même. Allez, salaud. Pourquoi ma caméra est lente? Bob, mais non, mais me soigne pas, on s'en fout. Ah, j'ai fait la merde. Vous allez arrêter de me saouler. Bob, t'es pas censé l'attirer là? Assez réactif. Je sais pas ça, je vois pas. Ah, faut que je range mon épée pour pouvoir grimper. Ah mince. Ça c'est dommage. Ah bah non. Ça, Bob a repris le... Non. Ou pas. Bob, tu veux pas... Au lieu de disperser des trucs sans arrêt. J'arrive pas à m'accrocher. Dommage qu'on puisse pas le taper là. Ah, je suis OP. Et lâche l'arbre. Putain, ah ouais, non, c'est trop. Thank you.
Par contre, ça demande beaucoup de... Bon, je suis désolé, je fais mes tests. Hein. Si je prends mon temps, en vrai, je pourrais l'éclater. Hein. Il est parti. Ah, ça va pas très loin, ça. Tellement dommage. Ouais, évite de te faire éclater, s'il te plaît. Oh, c'est la première fois qu'il me fait ça. Oh non, on apprend tous les jours. Ouais, il est relou à faire ça. Je préfère le truc qui aveugle et qui du coup il fait tomber hein, parce que ça. Ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est dommage. Les arbalètes là. Pourtant c'est tellement scié. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi! Allez, il est en train de mourir là. Vous voyez, déjà rien que là, là, on aurait pu l'empêcher de partir en faisant une flash. Donc, est-ce que les arbalètes sont mieux? J'ai doute. Même si on peut en mettre plein. C'est le seul bon point en vrai. Alors, je sais pas où est-ce qu'il va. Là, il va dans la grotte. Par contre, leur armure là, c'est vrai que j'aurais pu prendre de la nourriture anti-venin, mais pour moi, l'armure en fait, celle-ci est censée nous protéger du venin en fait. Enfin, un maximum quand même. Enfin, ça aurait été plus logique, hein, mais je sais pas. On est habitué avec IA à avoir des trucs éclatés. Pour moi, en fait, là, il n'y a aucune logique à avoir cette armure en fait. C'est là que Bob, j'aimerais bien qu'il ait plus facilement l'aggro en fait. Ouais, il me l'a fait dans le mauvais sens. C'est dès que je crafte un truc, regardez, hop, il est vachement long en fait. Il y a aussi le fait que Bob, il prend plus l'aggro en fait. Ça, c'est un petit peu gênant. Tu veux pas te soigner en fait, c'est ça que tu es en train de me dire? Thank you.
beaucoup. Hein. What? Ah ouais. Comme on esquive. Mais il arrive à me toucher de cette hauteur, c'est une blague. On aura libéré l'arbalète. Même si je m'attendais à plus de dégâts quand même. Mais je trouve que les dégâts dans le jeu, ils sont pas... Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Vous l'avez battu ? Extraordinaire. Dans ce cas, on se remet tout de suite au travail. On se retrouve là-bas. C'est où là-bas ? Je me doutais que ce serait rapide, alors j'avais dit à mon équipe de se tenir prête. Ce sera pas long, attendez ici. Oui, madame. Si on regarde bien les dégâts, on j'ai en fait pas tant que ça en pause. Fait. Faut savoir se ménager. On doit pas faire d'erreur. Allez, on pose les outils. Buvez de l'eau et reposez-vous un moment. Déjà ? Comme vous pouvez le constater, la plupart des charpentiers du clan Tsuruhashi sont panés ici, au Inomoto. Je viens de la cité de Pierre, tout à l'ouest. J'ai rencontré la majorité de mon équipe quand j'ai traversé la Grande Dorsale et la Péninsule Dorée. Ainsi, nous disposons d'outils et de techniques qu'on ne trouve pas par ici. Ça nous a permis de nous faire une réputation dans la capitale. Mais maintenant, ils se battent pour savoir qui succédera au Shogun. Ça va être la guerre, je vous le dis. Partout dans le pays. Nous avons alors décidé de quitter la ville pour éviter d'y être mêlés. L'invitation de la princesse Toga est tombée au bon moment. Et vous ? Pourquoi vous êtes à Minato ? Avec vos talents, vous pourriez trouver du travail n'importe où. Ouais. J'en avais pas entendu de très bonne, honnêtement. On dirait que vous avez pas le même ressenti. Allez, nous devrions nous remettre au travail. Nous essaierons de pas trop vous retarder. En gros, voilà, ils sont en train de me faire un passage pour le Nord, en fait. Mais j'ignore ce qui nous attend en chemin. Je croyais que ce vieil ivrogne connaissait la région, non ? Pourquoi ne pas rentrer pour lui demander ? Nous devons tout ranger ici. Quoi ? Mais moi je veux aller dans la nouvelle zone. Laissez-moi aller dans la nouvelle zone. Alors c'est la dernière zone. Mais bon, si les zones changent par chapitre, ça va. En vrai, ils n'ont pas besoin de faire 15 000 zones pour rien. Et ça leur permet après en plus de rajouter des zones plus tard en DLC. Donc... Bon, il est où, lui ? Alors, la route jusqu'au château est dégagée. Tu pars pour la forteresse de Fuyufusagi ? Va avoir de la compagnie. J'en ai bien peur. Pourquoi ça te surprend autant ? J'étais chez moi, au château d'Otsuki. Personne ne connaît ce territoire mieux que moi. Par contre, les kémonos, je te les laisse. Je sais que je te ralentirai, mais c'est comme ça. Je peux y arriver. J'ai quelque chose à faire là-bas. Ça fait de moi ton nouveau compagnon de voyage. Du coup, il vient avec nous alors. Très bien. Alors, on a une requête là-bas. Ça va être encore une requête éclatée. Oula, 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 calme-toi. Hé, hey, je sais qui vous êtes. Vous êtes le super chasseur. Je m'appelle super Tana. Chasseur, carrément. Je suis charpentière. Enfin, apprentie charpentière pour l'instant. Je peux vous demander un service. Ma reine... je veux dire, reine. Vous savez la charpentière en chef ? Elle a lu une vieille note qui l'a beaucoup troublée. Tenez, je l'ai recopiée.
Je crois que toutes les informations essentielles y sont. Enfin, je n'en sais rien, en fait, parce que je n'y comprends rien. Ça vous parle ? Une énigme ? Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Blanc, rond, fil, feuille ? Un lièvre ? Je suppose que ça pourrait décrire un matériau ? Bonne idée ! Je vous suis. J'aurais pas dû faire ça. Moi, je voulais avancer dans l'histoire. Je vois. Donc, vous venez me voir. Blanc, rond, fil, feuille. Ah, je vois. Hein ? Tu sais ce que ça veut dire ? C'est super ! Je crois que c'est la liste des caractéristiques d'un matériau précis. Un matériau que je vois souvent, en fait. De couleur blanche, de forme ronde qui a la texture d'un fil, et pour ce qui est des feuilles... Oui, je dirais que c'est un cocon. Un cocon, bien sûr. Oui, ça doit être ça. J'espère ne pas me tromper, sinon je vais avoir l'air bête. Il y a un chiffre aussi, tu vois. Sûrement la quantité requise. Oui, je vois. Merci. J'espère que c'est vous pas trop. Vous pouvez récolter ce nombre de cocons. Quand ce sera fait, donnez-les directement à ma reine. Je veux dire, à reine. Je crois que j'en ai un. Des cocons étranges. Ah non, j'en ai pas de ça. Je crois pas en avoir de ça. Ah non, nous c'est du fil. Attendez, c'est où ? C'est du fil soyeux qu'on a, nous. Ah oui. Ah, mais c'est parce qu'on a débloqué la nouvelle zone en fait. Y'a rien eu d'autre de débloqué ? C'est trop. À part la nouvelle zone. Mais la nouvelle zone, on verra ça dans le prochain épisode. Si vous avez dit... Je suis pas experte en construction de Karakuri, mais je devrais. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ouais. Je vais en profiter pour vous montrer. On va vérifier quand même qu'il n'y a rien ici. Vous pouvez compter sur moi pour bien. Je pense que personne. Des armes plus solides et plus aiguisées. J'imagine que c'est ça que vous cherchez. Donc là, il nous manque lui. Un de feu. Non, on n'a rien de débloqué. J'ai toutes les armes à fond ici. Donc je vais pas... Je crois que c'est bon. Prenez le temps de décider laquelle de mes armures vous intéresse le plus. En fait, je voulais vérifier si ça avait pas débloqué des nouveaux... Mais non, j'ai pas l'impression. Très bien. Et je voulais vous montrer autre chose. Hop, hop, hop. Hop. Alors, j'espère que je me suis pas gouré. Du coup, ça a débloqué les bains ici. Bienvenue. Le fort gelé ? Rien que... Un bain revigorant, c'est ça. Et on peut les craft. Donc j'en ai déjà craft 2, il me reste celui-là ici à faire. Fruit du lapin. En fait, faut que je caresse des lapins, c'est tout. Vous ne voulez pas passer un peu de temps dans l'eau ? Si, si. Quel dommage. On se revoit bientôt. L'eau est particulière. Un bain revigorant. Oui, il y a différents bains. J'ai débloqué ces deux-là. Vous pouvez laisser vos vêtements et vos affaires ici. Prenez votre temps. Détendez-vous. Et ça change le bain qui est ici, en fait. Ah, c'est terminé le bain. Mec, ça devient gênant là. Tu peux me laisser prendre mon bain ? Alors, quand on débloque les crafts, en fait, ça nous augmente notre santé. Enfin, je ne saurais vous dire de combien, en vrai. C'est vrai que j'ai pas vérifié. Mais voilà, vous le savez, il y a différents bains. Bon, c'est. C'est des bains quoi. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Ouais, merci toi aussi. On se revoit. Et du coup, dans le prochain épisode, on va dans la dernière zone. Donc c'est plutôt cool.
va découvrir peut-être le loup, on va enfin pouvoir le démonter, j'espère. Et plus si affinité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et pensez au pouce bleu. C'était Makito, portez-vous bien. Tchuss.